Populaire. J'ai ouï dire à la juste d'air que le damier s'émincait comme un seuil, sans sel. Sagement, je suivais. Le bar était plein, la barmaid vide, le tatouage teinté. Le tocsin éteint se tenait tranquille au beau milieu des quilles. Le noir, l'orateur, fusait. Trois trous, au beau milieu des billes. Le bal brassait son voile, au beau milieu des valses, des draps. Le drame nous drapait de son doux dard. Je manquillais dardard la porte d'entrée. Dehors, les notes mal inspirées nivelaient la nature qui le restait, nature. Je m'allongeais sur le sable, au milieu des miens, les grains, qui, comme il se loua, de granit, l'été rideau. À l'ombre d'un soleil noir, je suis assis. Cette lumière me sied. Nenni, ni je ne suis, ni je n'essuie, nuée, naufrage ou autre nébuleuse. Dans la bulle, je baille. 3, 6, 9, je saute. Et passe. Manque. Impair est repassé. Une autre fois, lui, répondit-on avec un sourire de casino. Cannes ou Cayenne, quelle canne convoiteriez-vous? Aucune. Soit, sans rancune, à l'ombre d'un soleil noir. Racisme retourne. L'ironie fut dans ce cas-là qu'il n'y en eut pas, ou si peu, si fine, si effacée qu'il eût été impossible qu'elle ne froissât quiconque. Certes, il n'y a guère que le congre qui est en moi pour relever l'irrecevable. Certes. 20 siècles de l'histoire de l'humanité venaient de salement s'ouvrir la panse sur mon parquet. 20 siècles, ce n'est pas peu. Et pourtant, l'air de rien, comme si rien ne s'était jamais passé avant et comme si rien ne se passerait jamais après, plus après, pardon, l'acte crissa encore une croix. Comme une caresse que l'on choirait, bien sûr, comme de caresser un mur. Telle une foi qui se fendit, pour telle une anguille, s'offrir au fer des charmes du sacré, ne se sacrifiant jamais, ou à peine. La chèvre maintenant s'agite sur le sol, où sointe encore et encore, au beau milieu des tripes de l'humanité qui ripaille, de bon pied car mauvais œil, ici comme partout, le sang frais, rouge et chaud d'un corps qui fut trop fortement en ébullition. Et l'iris unique de l'esprit suprême voit le choc des crucifixions. Et s'avance sous l'œil impassible de l'esprit suprême, où iris de l'âme fixe face à la ligne d'horizon l'anthropophage qu'on voit de 20 siècles d'âpre lapidation. Nulle motion de censure, simplement une avancée qui assure l'espace-temps. Rideau. Un juste milieu dans tout et pour tout. Rachialgie. Cherche dans le dictionnaire. Après que d'avoir puissamment terrassé, le terrassier s'étend enfin sur sa terrasse. Dus-je dire s'éteint, car il est temps. Trop s'étrait, s'étire. Le vent sur la tôle sointe d'un sang, d'un son dont il ne saurait bien sûr se passer. Sous cet auvent, le terrassier s'étend. Le soleil et sa chaleur l'invitent à ne s'endormir d'aucun œil si ce n'est l'œil du juste. L'iris, comme un râble, ramène les terrassiers à leur juste tierce, leur terrier. L'enfant, le fan, par les fentes de cette terrasse à innover, s'inocule la sève nouvelle. Comme un tricycle qu'on ne saurait terrasser. Tierce. La porte de sortie tant empruntée n'est plus teintée de cette tentation facile qu'est l'envol de nos cils. Comme une syllabe, comme un chancre. Sous son tanque qui n'est plus que soi savamment tissé, le chancre écarte les jambes. Il geint en somme. Il geint tout comme, sous sa pierre tombale silencieuse nue, gît le soldat inconnu. Après que de n'être même pas affaibli, après que d'avoir maintes fois failli,
après s'être vu, lu et remis tout au chaud de sa chemise, remise en main propre, le terrassier entend sa terrasse. Il l'écoute, et l'amour lui tend ses croûtes. Il n'en veut plus, évidemment. Il attend d'entendre assez suffisamment sa terrasse pour s'y étendre sans l'étreindre. Une étreinte, en somme, une étreinte comme un train, ce puits l'être. Un voyage au-delà du divin, du vin, du vent, divan. Un voyage au-delà des voyages, comme un rêve, une inaccessible étoffe. Un tressautement trop furtif pour qu'il soit forfaiture fermentée ou coup montée. Si ce n'est ma foi, certainement par manque de foi en soi. Seules nos terrasses patientes attendent que passent les poivreaux. Seuls les raux restent, soit rideau. Peut-on décemment puiser sous chaque cèdre, chaque cendre, tel un imperturbable joyeux drille, tout ? Puit-on tout ? Certes non. Éparse la pile d'équilles convoitées et conquises s'entasse sans qu'il ne reste forcément la trace. Laquelle ? 1989, Téléthon, Toulouse. Il est tant et trop de trempe, de tanins, de tangentes ou de trains, de détenus tendus têtant l'intransigible, de convaincus cocus, de cocus conquérants, de coqs sans cul. Il est temps. Pour temps et de toute éternité, l'île, l'unique, est étroite. Elle l'étrait, mais point trop. Il est tant et tant de temps, c'en est trop. Il est si peu de traits et tant de traits, de traites assurées, de traîtres intraitables, de traités de tracteurs, de traitons et de pleurs. Il est tant de lits qui n'allaitent que l'ennui. Il est tant de lait, il est tant de lune, il est tant de plaies, si peu de plumes. Il est tant, c'en est trop. Il n'est jamais d'ailleurs tant que la nuit. Le jour bien trop souvent s'oublie à quelques paravents, à quelques parapluies, à quelques paraboles, à quelques bols sans eau, ni une quelconque obole, ni même aucun quiconque. Il est temps de congres, il est temps de cris, il est temps de pas qui n'avancent qu'à peine, il est temps de peine, il est temps de plis, et si peu de plus, rideau. Ocre Conte, chapitre 2, on va trouver un autre endroit de lecture, pour avoir un autre décor. Voilà, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Mine de rien, c'est éprouvant. Il faut gérer la caméra, la diction, les sons autour, tourner les pages, parfois le petit costi dans la pogne. T'as vu le petit costi là, scred, vite fait. À droite, à gauche, petit pont. Tu vois, toi, toi. Donc, voilà. Ocre Conte, les amis. Ocre Conte par moi-même, lui là. Tu vois, Christophorus. Voilà, donc je vous ferai la fin de la lecture. Donc c'est un livre quand même, je vous en ai pas parlé, mais c'est un livre que j'ai écrit, en fait c'est le premier livre que j'ai écrit, parce que j'ai commencé par écrire des chansons, ensuite j'ai écrit de la poésie, j'ai commencé à différencier la poésie écrite de la poésie chantée. Ensuite j'ai commencé à écrire de la prose, et donc c'était des textes comme ça qui n'avaient pas forcément de titre, voilà. Et ça a produit, et c'est ces textes qu'un jour, dans une espèce de, comment dirais-je, d'énergie armatialisante, en 5 minutes j'ai pris tous les feuillets, clac 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 clac, j'ai constitué un livre qui s'est appelé Ocre Conte, et c'est le premier livre en fait que j'ai réussi à faire. Et quand j'ai réussi à faire ça, je me suis dit, tu peux écrire, mon poteau. Mais c'était un long truc. Moi, j'ai quitté la troisième. Je ne savais même pas faire une division à deux chiffres. Tu sais pas d'où je viens, poteau. Tu sais pas le taf qu'il a fallu ne pas pondre. Donc voilà, je vous salue, blessed les gens, que la paix et la clairvoyance soient sur vous. On est toujours sur le terre-terre, t'as vu, le terre-terre. Voilà. Là, j'ai eu mes tantes, j'ai eu la grand-mère de mon fils, j'ai sa mère. J'ai monté mon premier groupe ici qui s'appelait Ici Londres,
avec Nicolas Repac à la guitare, qui a arrêté ses études, je pense, de 16 ans, 17 ans, pour faire de la musique. Et aujourd'hui, il joue avec Arthur H, qui pourrait sortir les doigts du cul entre nous au niveau texte et voix. Mais bon, il a une jolie carrière pour lui-même. Je parle pas de ses œuvres, je parle de sa carrière. Tranquille, tranquille, il n'y a rien, Arthur, t'inquiète. Et Nico, ben, je sais pas, quand c'est que tu nous sors un vrai que truc, tu vois, un truc qui te ressemble, un peu funky, c'est ça que t'aimais, non, la funk. T'aimais quand ça chante bien, quand ça chantait propre et tout. Funky town, won't you take me to town for the funky town. Donc, voilà. Salut à toi, Nico, même si on se voit plus pour mille et une raisons, parce que le temps surtout, et parce que l'incompréhension du blanc de souche et du non-blanc de souche. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé plein de trucs. J'avais braqué un magasin de musique 9 fois le même. Le mec, il devenait ouf parce qu'il savait pas comment je faisais. En fait, je rentrais par les toits et tout, je cassais rien, il a jamais rien compris. Pardon, excusez-moi, je devrais pas rire. Il dormait dedans avec un gun. Un jour, il y a des potes, ils m'ont dit, il passait devant. Le mec, il était tellement ouf, il a entendu du bruit, il est sorti avec son gun, genre, vous venez de braquer. Et je l'ai pas braqué pour vendre de l'argent. Moi, j'ai jamais braqué les gens pour m'enrichir, c'était toujours pour vivre. C'était parce que j'avais qu'une bande de branleurs autour de moi, dont Nicolas Repac et deux autres avec un. Non, Nico, c'était le moins branleur, c'était le plus carré, y a rien à dire. Il m'a soutenu, voilà. Moi, j'étais chanteur percu, j'avais créé le groupe, il s'appelait Ici Londres, et on avait un quebla, un africain à la batterie et un métissé polac blanc à la basse. C'est pour ça qu'on s'appelait Ici Londres. Les Français parlent au français. Tu vois, déjà à l'époque, frère, on avait la conscience, frère. Frère, on était Alfred. Donc, tu vois, je te parle de ça à Conversano, il y a... Poteau, j'ai 50 piges, tu fais le calcul. Tu vois, voilà, retourne le mettre le nez dans tes couches, poteau. Hein, fais-moi plaisir. Donc, voilà, il s'est passé plein de queutru ici. Plein de queutru. Après, je suis parti à Toulouse. Et c'est donc ici, pendant cette... à la fin de ma période, on va dire, où j'ai écrit ce truc qui donc date... de France 1992. Je crois, je ne sais pas où c'est, voilà, c'est là. France 1992. Là, ça fait très à l'ancienne, hein, t'as vu, c'est propre. Voilà, et Ocre Compte, qui est mon premier titre et que j'ai toujours kiffé. Bah ouais, quand tu trouves des trucs qui sont quand même propres, c'est propre, Ocre Compte. Et surtout, l'important, c'est que les titres ressemblent à ce qui est écrit. Donc vous pouvez commencer à vous rendre compte que même si l'écriture, elle a une complexité, une musicalité, une rythmique, une architecture très mathématique, en fait. Moi, c'est des mathématiques que je fais pas de littérature, je fais des formules mathématiques. Donc, pas dans le sens, dans la structure, t'égare pas. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, vous remarquerez qu'en fait ils sont très différents, les livres, d'un point de vue de la musicalité. C'est toujours un peu les mêmes sujets abordés, mais en fait à des stades différents de compréhension, de perception et donc de traduction en langage musical, parce que pour moi les notes, en fait, c'est de la musique. Les gens n'ont pas bien compris, il n'y a pas la musique et il y a les mots. Les mots, c'est de la musique, et tout ça, c'est de la musique, et tout ça, c'est un putain d'opéra. Dieu est un compositeur, Dieu n'est pas un architecte. Celui d'ailleurs qu'on appelait le grand architecte, c'était Aménopé, qui a donc instruit tout le monde, qui a instruit Moïse, qui lui a appris à circoncire, etc. Un prêtre de Melchisédek, voilà, Melchisédek en fait il s'appelle. Et après il y avait Aménopé, non, je confonds, ouais, je mélange un peu. Mais enfin, tout ça pour vous dire que tout ça vient d'Égypte, qu'il s'agisse de Melchisédek ou de Aménopé. Et c'est Aménopé qu'on appelait le grand architecte, le trois fois grand, etc. Et puis après on a créé ce mec qu'on appelle Hermès Trismégiste. Trismégiste, c'est chiant à dire, on dit Trismégiste ou Trismégiste, giste, et le gaz de giste. Donc on s'en fout de tout ça, ce sont des protupérations inutiles, nationalisées, à des fins pour arriver à nous construire cette merde, quoi. Vous remarquerez aussi, c'est un truc qu'on remarquait avec mon fiston hier en discutant, ces cités là, quand on est arrivé, il n'y avait pas toutes ces barrières. Nous, on était petits, on courait, là, il y avait du béton, enfin un peu, il y avait les arbres et tout, mais il y avait surtout beaucoup de béton, il n'y avait pas tous ces putains de bâtiments là. C'était que des bâtiments carré, tu vois, bien pourris comme ça, je sais que vous les voyez, il y en a partout en France. Donc voilà. Et,
Et en fait, ils ont mis les gens dans un état de guerre. C'est-à-dire qu'ils ont créé un ghetto en banlieue où ils ont parqué les gens et ensuite ils ont subdivisé le ghetto, t'as vu ? Et je voudrais même vous faire remarquer que les portes d'entrée de ces putains d'immeubles, ben mon poteau, c'est comme un frein, les portes quand tu passes de ta partie de ta prison.